Zvachim dafayin vav, résumé. La Mishnah dit un korban hacham et un korban shlamim qui se sont confondus. On ne sait plus qui est le hacham, qui est le shlamim. Qu'est-ce qu'on en fait? La Mishnah ramène une machloket. Est-ce qu'on peut faire les deux avec les chumrot du hacham, qui est donc mangé pour un délai de un jour et une nuit, plus court que les shlamim qui peuvent être mangés le lendemain encore? Donc, est-ce qu'on peut faire la shrita lechatrila des deux bêtes en les mangeant au court délai du hacham, ou bien on ne peut pas faire la shrita de ces bêtes-là, misafek, parce que on raccourcit le temps de la consommation du shlamim, puisque le shlamim aurait pu être mangé 2 jours et une nuit, et que maintenant on ne peut qu'un jour et une nuit, il risque d'en arriver à un psoul avant son temps, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à terminer la viande de ce shlamim-là en un jour et une nuit, on ne pourra plus le manger alors que le shlamim il peut être consommé encore le lendemain. Et mis à fait qu'on devra se retenir de le manger. Et donc, il y a ici un problème de rendre le shlamim pas soul pour rien, de perdre le shlamim pour rien. C'est pourquoi, le chatrila, on ne lui fait même pas la shrita mis à fait. Simplement, on attend que tombe un défaut dans ces deux bêtes-là. Et puis ensuite, on les vend et avec la valeur, on achète des korbanot. Si par contre, dit la Mishnah, ils se sont confondus des morceaux de viande de hacham avec shlamim, ici évidemment, eh bien, on les mange au court délai du hacham pour un jour et une nuit, il n'y a rien à perdre. La Gemara dit, celui qui a de l'argent de Shemitah, c'est-à-dire il a vendu des fruits de Shemitah, maintenant il a reçu de l'argent, cet argent-là a une Kedusha Tshuvit, la Kedusha de la Shemitah. Avec cet argent-là, on n'a pas le droit d'acheter de la Trouma. Pourquoi? Parce que il y a un délai jusqu'à quand on peut manger les fruits de Shvi'it, de Shemitah, et donc l'argent aussi doit être terminé, doit être consommé, il faut acheter avec de la nourriture qui sera consommée jusqu'à ce délai-là. Or la Trouma, on ne veut pas la perdre pour rien, donc afin de ne pas raccourcir le délai de la consommation de la Trouma, on ne peut pas donc en acheter avec cet argent-là de la Trouma. Rava dit que cette halakha-là, elle concerne même Rabbi Shimon. Donc même Rabbi Shimon qui a dit dans notre Mishnah qu'on ne craint pas on craint pas ce rachash-là, ce problème de dire que ça raccourcit le délai de la consommation du shlamim. Et donc Rabbi Shimon a permis les ratrila de faire Rabbi Shimon a permis de faire la shrita du hacham et du shlamim qui se sont confondus, malgré que ça raccourcit le délai de la consommation du shlamim. Ici, Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit parce que les ratrila de venir acheter de la trouma alors qu'on aurait pu acheter autre chose avec, c'est assour. Dans la Mishnah, on parle d'un cas où ils se sont déjà confondus, c'est pourquoi la Mishnah a permis. Mais les ratrila, c'est assour. La Gemara objecte, Rava. Déjà, Abaye vient et objecte d'un Rabbi Shimon. On voit que Rabbi Shimon est matir. Les chatrila, même les chatrila, de venir et mélanger de la trouma, des épices de trouma dans les korbanot, malgré que la date limite des korbanot est très courte et que donc ça raccourcit les délais de la consommation de la trouma et on risque de la perdre pour rien. La Gemara répond tout de suite que les épices sont une trouma des Rabbanan et c'est pas grave. Ici, Rabbi Shimon sera d'accord effectivement que c'est permis de raccourcir leur délai. Par contre, Abaye demande, objecte d'une autre halakha où Rabbi Shimon permet même avec Rabbi Shimon, on voit qu'il permet d'acheter de la trouma avec de l'argent du maaser sheni. Donc le maaser sheni, c'est-à-dire, il prélève son premier maaser, il donne le levi, son deuxième maaser, il le monte pour le manger à Yerushalayim. Maintenant, afin de ne pas transporter tous ses fruits à Yerushalayim, ce qu'on fait, c'est qu'on les rachète. Et on amène l'argent à Yerushalayim. Cet argent-là, il les sert à acheter des fruits, de la nourriture à Yerushalayim pour la manger dans la ville. On n'a pas le droit. Non, Rabbi Shimon, il permet d'acheter même de la tourma, malgré que c'est très limité. De quelle manière on peut manger le maaser sheni et où ça se mange et qu'on risque de perdre de la tourma. Et pourtant, Rabbi Shimon y permet lechatrila
de rentrer dans ce problème-là où on risque en fait de perdre la Trouma à cause des limites de l'Halakha, de la manière dont on doit consommer la Trouma. Donc déjà, ça objecte ce que Rava a dit, que Rabbi Shimon est d'accord que les Khatrila s'interdit. Deuxièmement, Rav Yosef veut objecter Rava d'une autre Halakha aussi, où Rabbi Shimon dit qu'un légume de Shemitah peut être cuit dans de l'huile de Trouma. Or ici aussi, l'huile de Trouma va perdre de son temps, de son délai de consommation, puisqu'on est limité maintenant au délai du légume de Shemitah. Et pourtant, Rabbi Shimon permet les Khatrila. Donc on voit deux fois, à deux reprises on voit, que Rabbi Shimon permet les Khatrila de rentrer dans un problème où on raccourcit le délai de consommation de la Trouma. Et donc ça objecte ce que Rava a dit, que Rabbi Shimon a dit que Rabbi Shimon est d'accord. Tout ce qu'il a dit dans la Mishnah, c'est que si vraiment ils se sont déjà confondus, c'est là où Rabbi Shimon a dit dans la Mishnah que quand on n'a pas le choix, on peut faire la shrita de ces bêtes-là, malgré que ça va raccourcir le délai du shlamim. Mais les chatrila, c'est assourd de le faire. Or ici, on voit que même les chatrila, Rabbi Shimon le permet. La Gemara explique pourquoi est-ce que Abaye n'a pas voulu objecter de la braïta de Rav Yosef, parce qu'Abaye a compris qu'il s'agit aussi d'un médiavat où ça s'est déjà mélangé. Donc l'huile de tourma a déjà pris la kdusha de Shemitah, donc là on n'a plus rien à perdre de la cuire là-bas, de la cuire avec. Et autre objection que demande la Gemara, un metzora qui a un doute au niveau de sa tzaraat, et donc quand il se purifie, il doit amener son korban hacham, or il a un doute, donc il ne peut pas amener un hacham vadaï, il doit faire un hacham al-tnaï, c'est-à-dire au cas où il est metzora, ce korban est hacham. Au cas où il ne l'est pas, où il n'a pas besoin d'amener ce korban hacham, eh bien ce bélier-là sera un korban shlamim. Or ici aussi, on voit qu'il raccourcit en fait le délai du shlamim, puisque le shlamim peut être consommé pour 2 jours et 1 nuit, or le hacham doit être consommé en 1 jour et 1 nuit. Donc on voit que Rabbi Shimon permet l'echatrila de rentrer le shlamim dans un problème pareil, où on risque de le perdre pour rien, en se retenant de le manger en son temps, le deuxième jour, en craignant que c'est pas un shlamim mais un hacham. Donc ici, ça objecte ce que Rava a dit, que Rabbi Shimon interdit les chatrila. Ici, on voit que Rabbi Shimon permet. Répond la Gemara, ça s'appelle pas un chatrila, puisque le metzora a un problème et qu'il faut réparer son problème, et que c'est ça la seule manière de purifier le sfek metzora, de le réparer. Donc là, puisque ça c'est considéré comme un médiavad, où même selon Rava, Rabbi Shimon va permettre ici de faire la shrita de ce hacham en craignant, en altnai, en disant que c'est peut-être un hacham, peut-être un shlamim. La Gemara ensuite rentre dans les détails de l'huile que le metzora doit amener, de quelle manière il l'amène quand il n'est pas sûr qu'il est metzora, et donc il doit l'amener altnai, peut-être que s'il est metzora, c'est l'huile de la tahara du metzora. Et sinon, à quoi correspond son huile? La Gemara rentre dans les détails, quoi faire exactement de l'huile misafek.